Bonjour, amis fidèles internautes de Jeune Évident TV. Très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis pour votre émission 100% sportive. Toujours accompagné de mon éminent journaliste, Modiagna. Bonjour. Bonjour, Modiagna. Bonjour également à tous les internautes de Jeune Évident TV. Alors, Modiagna, peut dire des internautes que nous suivons sur Jeune Évident TV. C'est toujours un plaisir de voir certains internautes qui suivent de près et de loin Jeune Évident TV et que dire également que les critiques et suggestions sont toujours les mêmes. Merci à vous, chers internautes. Et au menu de votre émission, aujourd'hui, vous aurez les 5 nominés pour le trophée de ballon d'or africain 2018. Deux Sénégalais sont en lice, Sadio Mané et Kalidou Koulibaly. Vous aurez en tout cas tous les détails pour ce trophée. Ensuite, vous aurez les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2019 au Cameroun. La surprise générale avec la Mauritanie qui s'est qualifiée. Enfin, vous aurez le tour d'horizon avec notre reporter, Zéran Sanga. Le développement, c'est tout de suite. BBC a publié la liste de 5 joueurs pour le trophée de Ballon d'Or 2018. Donc, deux Sénégalais sont dans la liste, Kalidou Koulibaly et Sadio Mané. Nous rappelons que la liste est composée de Benassia, Mohamed Salah, le tenant du titre, en plus le gagnant Pate. Donc, alors, Madiane, vous êtes d'accord pour la liste des 5 joueurs? Oui, apparemment, oui, je suis tout à fait d'accord avec la liste qui a été établie BBC. Quand on voit un peu sur l'année passée, ce sont en tout cas des joueurs qui sont illustrés au niveau de l'Afrique, les joueurs africains, je veux dire, notamment Thomas Partey, qui au niveau de la Sélection d'Afrique, qui avait également une bonne saison avec les Colchoneros. Il y a également Mehdi Benekia, bien vrai qu'entre temps, il ne jouait plus au niveau de la Juventus Turin. Mais l'an dernier, quand même, on a vu qu'il a fait quand même une saison assez remarquable. Sadio Mané et Mohamed Salah, n'en parlons pas. Voilà, ce sont des joueurs aujourd'hui qui font la fête de l'Afrique, qui font partie également des nominés pour le Ballon d'Or de cette année. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, la liste qui a été établie est conforme à la réalité du moment du moment. Et à mon avis, je ne suis pas surpris de ces joueurs qui ont été choisis. Alors, il y a deux Sénégalais parmi les 5 nominés. Ça montre que le football sénégalais est en bonne santé. Et avec ces joueurs internationaux, de renommée internationale. Oui, évidemment, ça montre qu'aujourd'hui le Sénégal regorge justement de talents vraiment qui sont importants et qui sont intéressants au niveau international. Ça montre également que le Sénégal a de bons joueurs, ça montre également que le Sénégal est un réservoir de joueurs parce qu'on le sait souvent. Par exemple, en France, on voit également le Sénégal, la colonie française au niveau du championnat est aussi importante que les autres colonies quand on parle par exemple de l'Afrique. Donc ça sous-entend qu'aujourd'hui, évidemment, cela montre que le football sénégalais est en bonne santé sur le plan international. Et c'est toujours un plaisir de voir quand même deux joueurs sénégalais être nominés pour ce titre de meilleur joueur de l'UBC. Alors, quels sont les sens pour nos deux joueurs? Nos sens, en tout cas, je crois qu'elles sont minimes. Hein. Elles sont minimes parce que devant, il y a Mohamed Salah qui est là, mais bon, peut-être que le trophée sera décerné d'ici peu. Ils auront peut-être l'avantage de mieux profiler leur stratégie, autrement dit de faire de bons résultats en club, d'être également performant, d'être bon sur le terrain. Cela permettrait par exemple aux votants de décider de voter pour les deux joueurs sénégalais. Mais à mon avis, le sens, ce sont les tribunaux. Pour rappel, le trophée sera décerné le 14 décembre 2018. Alors, on sait tous que le tenant du titre est Mohamed Salah, les Égyptiens. Alors, qui est le grand favori pour ce trophée? Bon, à mon avis, c'est lui, hein, c'est Mohamed Salah. Au vu de la saison énorme qu'il a fait, meilleur buteur de la Premier League, il a battu quand même un record et quand même, c'est quelque chose qui est assez incroyable. Et en plus, avec l'équipe nationale de l'Égypte, Salah est en train quand même de faire une bonne chose, notamment sur les 10 derniers matchs qu'il a joué. Il a marqué pas mal de buts, voilà. Donc, ce qui veut dire qu'en sélection et en club, il est en train quand même de faire de bonnes choses. À mon avis, le prétendant, le grand favori justement de ce trophée de BBC, bien entendu, c'est Mohamed Salah. C'est Mohamed Salah. Merci beaucoup, Madiane, pour ces précisions apportées par rapport à ce trophée de BBC. Donc, nous souhaitons aussi bon sens pour nos deux lions, Kalidou Koulibaly et Sadio Mané. Madiane, c'est la cinquième journée des phases éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a une sensation, et devinez la sensation, c'est quelle équipe?
c'est la Mauritanie. Alors la Mauritanie, je vais faire un clin d'œil à un ami depuis Paris. Il a adoré, donc il disait que la Mauritanie s'est qualifiée, c'est une grande fierté. Alors moi, j'ai que dire de la qualification. En fait, c'est quand même une surprise hein, de voir la Mauritanie se qualifier pour cette compétition. Parce que la Mauritanie était dans la poule avec le Burkina Faso et également le Botswana. Voilà, des équipes qui ont l'habitude, je ne dis pas qu'ils ont l'habitude de jouer la CAN, mais qui ont l'habitude de faire des résultats sur le plan africain, sur le plan continental. Donc aujourd'hui, ça a été quand même une surprise. Mais cela montre également que la Mauritanie est en train quand même de travailler. La Mauritanie est en train aujourd'hui de développer petit à petit le championnat. Aujourd'hui, la Mauritanie est premier de sa poule devant le Burkina, devant le Botswana. C'est la sous entendu également qu'il mérite, les mérite pardon, donc, cette qualification. Et voilà, avec cette CAN, avec cette équipe, la 24 équipes, pardon, 24 équipes, cela va permettre non seulement aux autres équipes voilà, de pouvoir se qualifier et de discuter cette compétition. Même le président de la Fédération Mauritanienne de football a annoncé qu'ils ont beaucoup investi par rapport aux infrastructures. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une chance pour cette équipe mauritanienne de sortir des phases pour le bilan de la Coupe d'Afrique 2019 au Cameroun? Bon, je dirais peut-être non, mais bon, il faudra peut-être attendre peut-être le tirage au sort des phases de poule pour pouvoir voir justement la Mauritanie, notamment avec les équipes qu'elle partage justement à cette poule. Mais à mon humble avis, je crois que la Mauritanie n'aura pas bien de sens pour cette compétition. Ils devront peut-être apprendre pour cette compétition, voilà, essayer un peu de voir la réalité africaine de cette compétition. Et puis après, pour les années à venir, ils pourront peut-être voilà, faire des choses. Cela nous rappelle un peu la Guinée-Bissau, si je ne me trompe pas, qui a joué récemment sa première compétition. Voilà, malgré qu'elle a été éliminée dès le premier tour, mais quand même sa participation a été satisfaisante et c'est ce qu'on veut attendre justement. Voilà, de l'équipe qui vient toujours de participer à cette compétition. Merci Magnan, donc c'était tout pour la Mauritanie et bonne chance à l'équipe mauritanienne pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. Donc nous allons parler de l'équipe nationale du Sénégal. Le Sénégal il s'est qualifié lors de la 4e journée et joué la 5e journée contre la Guinée équatoriale. Victoire des Lions de la Teranga, 1-0. Alors Magnan, quelle impression par rapport à l'équipe nationale du Sénégal? Rien à dire sur le plan comptable, parce que quand même on a remporté ce match. Donc on a remporté les 3 points et c'est ce qui était d'abord plus intéressant. Maintenant sur le plan du jeu, vraiment ça a été laborieux. Le Sénégal n'a pas pu vraiment élaborer quand même un jeu assez chatoyant, un jeu qui a été quand même assez remarquable. Je crois qu'aujourd'hui les joueurs devaient beaucoup plus se relâcher. Voilà, c'était un match qui n'avait pas d'enjeu de manière normale. C'était le moment pour les joueurs voilà, de jouer le jeu, d'essayer un peu de se relâcher. Mais j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, voilà, on tâtonne toujours. J'ai comme l'impression également qu'aujourd'hui, on ne parvient pas justement à trouver donc, le bon formule pour pouvoir justement produire le bon jeu de jeu tant escompté par le peuple sénégalais. Et je crois qu'aujourd'hui, la sélection, le staff technique, ils ont en tout cas le temps pour pouvoir peaufiner la stratégie qu'il faut, afin quand même de mieux améliorer le jeu de l'équipe nationale du Sénégal. Parce que quand même, si l'on veut véritablement remporter cette compétition, il faudra du travail. On rappelle que le Sénégal garde 3 points d'avance sur le Madagascar, qui a perdu à domicile face au Soudan, 3-1. Alors maintenant, donc, c'est la fin des grèves internationaux. Donc, quel doit être le travail pour Anoussi et son staff? On sait que la sélection va revenir en mars, en mars 2019. Quel doit être le travail donc, pour préparer au mieux la Coupe d'Afrique 2019? Oui, mars 2019, je crois que ça fait environ 4 à 5 mois. Voilà, cela permet à l'UCC de revoir surtout les joueurs qui jouent au niveau de leur club respectif. Cela permettra également à l'UCC de revoir pourquoi pas d'autres joueurs qui sont susceptibles justement de rejoindre la tanière. Il y a d'autres joueurs, il y a un joueur qui évolue au niveau de Nîmes, notamment Sada. Si on est sans égo, c'est quelqu'un qui est bien, pourquoi pas ne pas aussi de contacter pour que puisse rejoindre la tanière. Et cela permettra également au staff technique de revoir un peu voilà, les failles de cette équipe nationale pour pouvoir aujourd'hui travailler et de faire en sorte qu'aujourd'hui on produise quand même un projet. Merci madame, donc c'est le double l'équipe nationale du Sénégal. On va continuer à parler du football avec la CAN U23, toujours avec l'équipe nationale du Sénégal, mais cette fois-ci avec les U23. L'équipe nationale du Sénégal va affronter la Guinée. Alors, le Sénégal retrouve la Guinée. Donc, ça va être noir pour cette compétition, n'est-ce pas? Oui, d'une certaine manière, on peut le dire, hein, ça va être noir parce que bon, dans certaines compétitions, la Guinée, pas souvent cette équipe du Sénégal, notamment
pour les championnats d'Afrique avec les qualifications. Mais avec les U23, je crois que le Sénégal a quand même des atouts à faire valoir pour cette compétition. Le Sénégal a fait quand même des résultats. Le finaliste récemment avec la CAN qui a oublié au début du Sénégal. Voilà, c'est la sous-entendue qu'aujourd'hui, on a quand même des arguments à faire valoir contre la Guinée. Et il faudra se qualifier pour justement maintenir cette cadence pendant cette compétition de la petite catégorie, que ce soit si les humains, si les humains voient. On a tendance à voir les Sénégalais faire quand même des résultats et il faudra continuer dans cette séance. Alors, maintenant, un constat. Le Sénégal est en avance par rapport à l'équipe nationale. Donc, mais par exemple, les championnats locaux, la Guinée se défait de plus en plus du Sénégal. Alors, comment vous pouvez expliquer? Quand on revoit un peu les championnats locaux, c'est vrai qu'aujourd'hui la Guinée est un tout petit peu en avance par rapport aux championnats sénégalais. La preuve, c'est que Réassé est venu ici à Dakar et a éliminé notre champion Génération Foot. L'an passé également, les dernières éditions, je veux dire, la Guinée était venue pour éliminer le Sénégal pour les phases éliminatoires du championnat d'Afrique organisé par la CAF. Voilà. L'explication, c'est qu'aujourd'hui, peut-être le championnat sénégalais a été développé. La Guinée est beaucoup plus développée en termes de championnat que le Sénégalais. Quand on voit un Khalidia qui quitte Djaraf pour jouer à Oréa-AC, Papa Mouturé qui quitte Espikine pour signer à Oréa-AC, c'est la sous-entendue qu'aujourd'hui que les clubs guinéens disposent justement des moyens conséquents. Des moyens financiers dont les clubs sénégalais n'ont pas. Et comme on a souvent l'habitude de dire, pour pouvoir avoir quand même un championnat qui est petit, il faudra avoir de l'argent. Et que, à mon avis, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le Sénégal a un petit peu voilà, en comparaison avec le championnat guinéen. Merci Badiane pour ces analyses très pertinentes. Donc nous allons terminer avec ce point, la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui se tient actuellement au Ghana du 17 novembre au 1er décembre. Et celle-ci permettra de déterminer les trois représentants africains dans la Coupe du Monde féminine 2019. Alors Badiane, c'est la fin de la première partie. Au mot. On va attaquer la seconde partie alors. La seconde partie, c'est-à-dire le tour d'horizon, c'est tout de suite avec notre reporter, c'est la Sanya. Parlons de la sécurité de l'arène nationale à Pékin pour commencer ce tour d'horizon. Les doléances soulevées lors des dernières assises sur la lutte ont porté leurs fruits. De nouvelles mesures sont prises. En en croire le journal Sunyolamb, le ministre des Sports affirme avoir trouvé la solution sur la question de la sécurité de l'arène nationale à Pékin. Il s'agit de prévoir l'érection d'un poste et de détacher des forces de sécurité pour davantage sécuriser les alentours de l'arène et de surlever les grilles extérieures. Ensuite, on s'intéresse au taekwondo avec les mondiaux de Pomsé 2018. Selon le quotidien Stade, le Sénégal devra attendre la prochaine édition pour une médaille. Le capitaine Abdoulaye Diako Mankadian est tombé face à un Iranien hier dimanche en 16e de finale. Il était le dernier Sénégalais en lice dans ce championnat. Et enfin, nous allons terminer par le premier combat MMA professionnel au Sénégal qui opposera Bombardier à Burensky. Le duel aura lieu au Stadium Maris Ndiaye le 16 décembre prochain. Bombardier fera face à un Polonais plus expérimenté que lui. Avec 14 combats MMA, le B52 de Mbour va combattre dans une cage comme lors de son combat contre Rocky Balboa. Merci Zera Sadia pour ce papier. Donc c'était le tour d'horizon. Maintenant nous allons attaquer le premier point, c'est-à-dire les mondiaux de Pompsé. Le Sénégal passe à côté. Certes, mais l'on dit que les résultats sont satisfaisants. Vous en pensez quoi? Oui, je suis tout à fait d'accord du fait qu'aujourd'hui les résultats sont satisfaisants, okay. Mais quand même, il faut dire que quand même, l'objectif était de remporter au moins la médaille. Mais malheureusement, le Sénégal est un peu passé à côté. Mais dans le cadre de la participation de façon plus globale, on peut dire que quand même on est satisfait parce que quand même le Sénégal a reçu le prix d'Active Participation, qui signifie que l'équipe s'est bien comportée voilà, sur le plan technique, sur le plan de la compétition entre autres. Il faut dire que ça n'a pas été facile vu les conditions auxquelles le Sénégal est parti pour ces mondiaux. Et voilà, je crois qu'aujourd'hui, ils doivent beaucoup plus travailler pour qu'on puisse avoir des résultats assez conséquents. Mais il faudra surtout féliciter cette équipe parce que quand même, je te dis, les conditions n'ont pas été vraiment favorables. Donc, toutes nos félicitations pour l'équipe nationale du Sénégal. Donc, maintenant, c'est la fin de l'émission, le dernier mot. Donnez justement rendez-vous les internautes de Régime Étudiant TV la semaine prochaine pour notre
Merci madame, merci cher gentleman de Génération TV, c'est la fin de l'émission. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous de vous présenter votre émission 100% sportive. Mes remerciements à l'équipe technique sonore, Jean et Mère Barbara. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour plus d'émissions, de vidéos, lefactorétudiant.com, jeunefactorétudiant.com, c'est le plaisir de s'informer. À vendredi prochain. Ciao.